Putain, bon, du coup, je me mettais la pression hier soir et ce matin. Là, je pensais que ça allait être vraiment solide à la gravière, vu des prévisions qu'ils annonçaient. Donc, c'est 2,20 m de houle avec je sais plus combien, avec 12 secondes et ça prenait à 10 heures à 16 secondes de période. Donc, ça s'annonçait vraiment solide. Et au final, pour l'instant, c'est pas du tout rentré. Il n'y a rien, enfin, il n'y a rien. Il y a genre 1,50 m au max sur les gros sets. Donc, pour l'instant, on va attendre. Parce que là en plus c'est un peu haut et puis je caille un peu. Je vais même prendre un petit café pour me réveiller et puis on va se mettre à l'eau je pense d'ici une petite heure. Ok les gars, bon, du coup je suis changé, préparé la board. Le topo là c'est qu'on va se mettre à l'eau tranquillement. Je pense que ça va commencer à grossir là, j'ai regardé les bouées, ça commençait à prendre un petit peu, pas énormément. Mais je pense qu'une fois dans l'eau, d'ici une ou deux heures ça devrait bien changer. Donc bon, on va bien voir. De toute façon j'ai pris la 6-1 au cas où, histoire d'avoir des petits barrels ou quoi. On va essayer en tout cas. Et puis voilà quoi, on va y aller. Petite casquette, j'ai toujours plaisir pour commencer la session. Si je passais, mais du coup je voyais rien à cause de la mousse. Ça a été grave. Mon dos il a pris cher. Je suis plein de petits mais j'arrive pas à avoir un beau barrel bien rond là. Il n'y en a pas tant que ça, même pas beaucoup. Mais bon j'aurais bien aimé en avoir un quand même. En vrai c'est quand même la gavane. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez le seum. J'ai monté, t'as glissé. Oh.
fun. Elle est vraiment grave cette petite bord là. Franchement pour les barrels. J'ai essayé la buggy d'or mais c'était tendu. Oh, celui-là était incroyable. Avec le speed, j'ai tout passé. Je suis tombé juste avant la sortie, putain. Allez, ça va venir. Je suis sur un plan.